Il navigue sur la côte de Nacre, de Courcelles à Luxure-Mer. Il se pose de temps en temps sur la plage. Alors s'il se pose, ce n'est pas parce qu'il est malade ou il est juste fatigué. Il a besoin de repos, de se réchauffer. Il faut faire attention de ne pas être trop près. On a un dispositif de sécurité. Habituellement, il se pose et puis il ne bouge pas trop. Mais là, il a bougé entre les deux épis en face du Charleston. Donc, et même à un moment donné, il est parti directement vers les gens. Et est passé au-delà du dispositif de sécurité. Donc ça a été toute une histoire pour pouvoir le sécuriser. Phoque ou veau marin, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a juste une petite différence que je n'arrive pas à détecter. Mais enfin, en tout cas, il était bien sur notre plage et plutôt à l'aise. Donc à minuit, il était encore sur la plage. Et il a un nom, quoi ? Je pense que chaque petit groupe de personnes de Sainte-Aubinaise ont dû lui donner un nom. Et alors, je ne suis pas sûr en plus que ce soit le même qu'on a eu la semaine dernière. Je pense qu'il doit avoir plein de petits surnoms sur Saint-Aubin. Il faudrait peut-être recenser les noms pour savoir.